están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. On est dans la boutique de Harlem où Nimo a trouvé des très jolies chaussures. Très jolies chaussures ? Je les aime bien, mais elles sont un peu chères. C'était lesquelles les préférées ? Ça va, c'est les Air Force. Les Air Force. Mais non, les préférées de toutes celles que t'as vues depuis le début. Ah, c'était les requins là. Non, mais pas de. Ah oui, les trucs avec les paillettes en dessous là. Un peu. Mais et... ils sont là. Regarde, ils sont. Allez, on y va. Je rentre avec eux. Bon, en blanche, hein. Pas en comme ça. Ah ouais, en blanche, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que c'était. Ah, c'est ça, moi je pensais que je disais des paillettes. Parce que en fait, des trucs, là. Ça s'adapte aux pieds et moi, comme j'ai les pieds fins, bah c'est joli. Voilà. Et elles sont jolies. Ouais. Elles coûtent combien ? Y'a pas de promo ? Si, elles sont en promo. Elles sont plus chères normalement. Elles sont à 210, je crois. Alors les gars, très belles chaussures, on les valide, mettez une note dans les commentaires. Il y avait ce jacket les gars, regardez comme il est stylé de fou. The Ranger. En fait, le truc sur les épaules, c'est sur les bras. Mais 250 $, voilà. Envoyez de l'argent, comme ça on achète tout ce qu'on veut. En doré, c'est stylé. J'en ai aussi, les gars. C'est des marques qui passent et qui veulent sponsoriser. Et voilà, bah, moi j'attends vos sponsors. En plus, vous savez très bien, il y a une vidéo de sport sur le football américain qui arrive bientôt. Donc voilà, j'attends vos sponsors, les gars. Goodbye. Goodbye, jacket. Goodbye, jacket. Allez, deuxième magasin. Petit JD Sport, classique sheets. Vraiment que j'arrive à trouver mes chaussures. Hein. Mais on va trouver les chaussures. Bah là, il y a le palais des chaussures. Donc, c'est pas le palais des congrès, là, c'est le palais des chaussures. Donc, si tu trouves pas tes chaussures, c'est problématique. Normalement, tu devrais pouvoir les trouver fastoche. Merci. Bah, déjà, regarde. Celles-là, elles sont à 100 $. Et c'est des Jordan. Donc, c'est-à-dire que c'est possible que les tiennes, elles soient moins chères. Il y a quand même des belles chaussures, les gars. Attendez, je vous fais un petit plan sympatoche. Regardez-moi là, des paires, quoi. Y'a quelqu'un, dites-moi dans les commentaires, vous kifferiez avoir un chez vous avec genre ça là. Vous voyez un petit dressing avec genre tout ça dedans. Vous venez le matin, vous faites votre tenue de rêve, etc. Vous kiffez votre vie. Moi je vais aller regarder du côté homme s'il n'y a pas des blousons. On n'abandonne pas la mission blouson. Mais je sais que je pourrais en avoir un, parce que j'ai noté une adresse de friperie, de thrift shop à New York, où les blousons ils sont peut-être à 75 $, les gars, donc j'abandonne pas. Si j'arrive à en trouver un 75, c'est sûr qu'il part et il s'ajoute dans ma valise directe. Mais en attendant, les gars, on fouille un peu partout, c'est comme ça, de toute façon, qu'on fait du shopping. On découvre des lieux, on fouille, etc. Et on pense, on espère trouver le bon truc, quoi. Voilà, pour l'instant, c'est pas très intéressant. Hein. Je vous avoue que là je suis un peu déçu du bail. Ouais non, ça a pas l'air ouf. Non, pas de pierre. J'abandonne, je trouve rien. Moi les vêtements là-bas c'est éclaté pour les hommes. À part il y a quelques paires qui sont stylées. Celle-là voilà, cette paire-là elle était stylée. À la limite. Vêtements c'est qu'il était pas cher à côté. Elle était bien. Oh, écoutez-moi les Simpsons. Ah les Simpsons. C'est immonde. Hein, on dirait, en plus ça, on dirait une matière, on dirait polystyrène un peu. Pareil les hommes, frérot. Si vous voudrez pas avoir un petit truc comme ça chez toi, bon sauf les jaunes là. Mais franchement elles sont grave stylées. Hop, j'arrive. C'est un peu le. Ouais, un peu la déception là. Un peu la déception. On va trouver. On va trouver les chaussures. Bon, rendez-vous dans le prochain magasin. Ça fait peur. Bienvenue dans Harlem déjà. Voilà. Donc là on a choisi un petit McDonald's de Harlem. Donc moi j'ai pris un large Coke sans calories. Donc c'est le Diet Coke, mais je pense que c'est le light. Et le double quarter cheese avec double cheese et double steak. Avec... C'est le McDo le plus ghetto que j'ai vu de ma vie. Ouais.
c'est un McDo latino. Les mecs, ils écoutent que du latino, ils sont sur du J Balvin. Le mec, il parle à moitié portoricain, le chef du McDo, là, le manager, là. Et il est à fond sur Maluma, ça se voit. Il écoute que ça. Depuis tard, il y a 50 musiques à Maluma. Ça se voit, il est amoureux. Pour l'instant, les frites, elles sont bonnes. Ouais. On va goûter le crunchy. Attendez, c'est un bordel pour choper. Oh là là. Trop bon. T'as vraiment de la tête derrière. Extra pickles, waouh. Extra onions. Aïe aïe, bon appétit. Alors, notation. Ah ouais, le croc du seigneur. Il est bon ? 10 sur 10 ? I got a honey with a honey. I'm from New York. And you know I'm all about big chips, cause baby I'm from New York, New York. I'm from the city of the terrorists, yes I'm from New York, New York. I got a honey, with a honey. I'm from New York, New York. Yep, is it Zucci, the Wally, your money, your monologues getting tired? Now it's time to ride. Print this, you five, you no longer desire. So take off them silly chains, put back on your wire. I'm on fire, Holly dipped in. Oh là là, mais lui, il a des écureuils sur lui, le type. Ah ouais, t'as du pain? Vas-y, je peux t'en faire un tout petit bout. Attends, j'essaie de faire monter sur moi, c'est juste. Ah ouais. Vas-y. Ah, c'est beau. Ah, il m'a croqué. Je l'ai touché. Oh mais lui c'est Acrobatie Land. Attends. Ouais. Je l'ai eu en vidéo. Je l'ai eu en vidéo. Mais attends, mais what? Attends, je vais aller à son spot, c'est trop bien. Ah, incroyable. Je sais pas, je vais essayer. A few moments later. Dis-moi la troll, parce qu'en fait il y a un écureuil, il est juste. Et en fait elle a jeté son seul bout de pain dans. Il est juste. Ouais, bah regardez, il s'en va, il est là-bas au fond là. Bref. On est des malchanceux. C'était une blague à la base. Si on voit d'autres, par contre je pleure vraiment. Ce serait marrant. On a caressé des écureuils. Nimo, t'as aimé? Ouais, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'ils sont moins farouches qu'en France. En France, c'est rare d'en voir des écureuils. Mais j'en ai jamais vu, moi. Enfin, j'en ai déjà vu très loin, mais j'ai jamais vu aussi proche, j'en ai jamais vu. Genre, j'en ai vu, tu sais, dans les arbres loin, quoi. Voilà. Activité ludique, extraordinaire et mignonne. I like my yummy yellow. In the ash for like jello. Shorty like skinny tatties. Ash fresh, so I grabbed it. I gave it as thick and I last. Bah attends, mais on est tombé sur. On est sur un spa pour chien. Il y a genre plein de toutounes là-dedans. Oh là là. C'est trop petit, ça va. Trop mignon. Donc c'est un spa pour chien, c'est marqué là à gauche. Spa Lodge for Wolf. Coucou petit.
T'étais bien traité toi par ton maître hein. Ah bah toi regardez, ils ont des petites maisons et tout. Et une lampe chauffante et tout. Oh là, ouais, là. Oh là là. Vous c'est la belle vie hein. Allez, voilà, on vous love. On vous love, on vous love et passez une bonne journée. Voilà, moi je préfère ouvrir un spa pour ouf qu'un spa pour humain qui pue des pieds et qui ont encore crasseux. On se retrouve cette fois-ci dans un petit truc sympathique. Je vais faire un petit tour avec vous, vous allez voir, ça va être stylé. Là, on a des petits restos, des petits trucs. En fait, c'est un endroit. Il regroupe tout plein de restaurants, genre variés, etc. Genre, on a des sandwichs, on a de la bouffe mexicaine, on a de la bouffe grecque, on a de la bouffe indienne. C'est vietnamien, je crois. Là, c'est bao, vietnamien, etc. Et des comme ça, là. Après, on a des burgers. On a la bouffe mexicaine. On a là les indiens. Et en face, et dans le coin, on a la grecque. Là, on a trouvé un petit coin, ça s'appelle déjà Urban Space. Urban Space, voilà. Donc là, c'est un petit. C'est un espèce de petit. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est classe hein. C'est un peu style pub américain qu'on retrouve dans les petites séries, etc. Donc l'animal elle attend son petit Pao. Pao de chez Mian Kitchen. Mian Kitchen. Donc là ça va être le bon miam. Ah oui si c'est bien, il y a une bonne vibe. Il y a une bonne vibe et en plus ils sont en train de m'avoir parce qu'ils passent la NFL. Par contre ils sont longs. Ouais ils sont longs. C'est ton barreau depuis tout à l'heure qui est sur le comptoir, il est juste posé là le truc, là ça se trouve c'est le tien. Mais voilà, on a fait la patinoire à Rockefeller, super cool. Après on a enchaîné avec Chicken Filet, après Central Park. C'est des incontournables, mais gars, je vous répète, ça va être chiant, mais je vous souhaite à tous. Et oui, c'était fois. Bien le barreau. Ouais, c'était bien le barreau. Sensation. Ah, montre-moi ça un peu. Oh là là, il est big. Ouais, il est beau, hein. Ah, bon appétit. Et regardez les gars, on est vraiment dans un truc, c'est super beau. Voilà, bref, bonne ambiance. Et il y a du basket à la télé. C'est tout ce qu'on souhaite dans ce pays. Give me some basketball. Voilà, on vous laisse, on va manger. Et je reviendrai à la cam si je prends des trucs super cool. Mais voilà. Appétit à tous. Et n'oubliez pas. Like, abonnement et commentaire, c'est important. Et les sponsors, on vous attend pour la veste. Hein. Rappelez-vous du message au début. L'argent pour acheter le plaisir. Voilà. Tchuss. Il est trop mignon. Ouais.